Bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo sur les écrans LCD texte. Donc on en a tout plein de variétés. 2 x 16 caractères, 4 x 20, 2 x 40, et vous avez d'autres combinaisons. Il y a des 2 x 8 que je n'ai pas sous la main. Bref, tout plein d'écrans LCD. Ce qui est chouette, c'est qu'ils sont généralement, même quasiment presque toujours, basés sur un chipset, le HD 44780, qui est une puce, qui doit être, oula, qui est une puce qui doit être quelque part, dans un de ces petits trucs noirs, qui gère les écrans LCD texte. Donc du coup, cette puce, on l'a, oui, elle gère la mécanique interne de l'écran. Et elle est bien gérée par les Arduino, les Raspi, etc. Donc pour ça, il y a des bibliothèques. Ce qui veut dire qu'en pratique, vous pouvez prendre n'importe lequel de ces écrans, y compris le 2 x 8 que j'ai pas sous la main, mais bon bref, vous voyez l'idée. Et ça vous permet de faire fonctionner le tout avec la même bibliothèque. Et c'est chouette parce que du coup, il n'y a pas à se poser des questions. Quand vous achetez un écran LCD, la plupart du temps, c'est ce chipset. Inconvénient de ces écrans, c'est qu'ils ont une interface parallèle. Ici, on a 16 connecteurs qui font que, bah, du coup, on va devoir utiliser, souder tout un tas de fils dessus. Pas tous, certains ne sont pas utilisés, sauf dans certains modes. Mais ça nous prend quand même 6 ou 8 GPIO dans ces eaux-là. Donc, effectivement, c'est sympa, mais ça mange des GPIO. Du coup, il y a un autre composant devenu assez standard qui est apparu. C'est cette petite carte, du coup, qui se plug à l'arrière. Donc, je vous montre comment. Ça se plug à l'arrière du LCD. Donc, 2 secondes. Hop. Voilà, vous le mettez comme ça sur votre écran LCD. Vous soudez. Et à partir de là, votre écran devient un écran I2C. Donc ici, on a la puce I2C, le réglage du contraste, les petits pads pour changer l'adresse si nécessaire. Ce que ça fait, c'est que du coup, au lieu d'avoir plein de connecteurs, on a plus, moins, GND et VCC. Donc moins, plus, SDA, SCL, les lignes de communication qui envoient les données et le signal d'horloge. Donc c'est un protocole standard qui est très bien géré par Arduino et il y a des bibliothèques pour ça. Du coup, sur votre Arduino ou votre Raspi d'ailleurs, ou la plupart des microcontrôleurs, eh bien vous pouvez utiliser l'écran et vous en servir en utilisant seulement deux GPIO. Exemple, ici, sur cette boîte qui affiche des trucs, voilà, bref. C'est ce que j'utilise. Alors, je ne sais pas si on voit. Non, il est derrière le circuit, donc on ne le verra pas. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'utilise. Et bah, ça fonctionne très bien. Idem pour mon aquarium, j'utilise ça aussi, ça fait beaucoup moins de fil. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, voilà, un autre montage. Donc ici, un petit Arduino. Vous pouvez vous faire un petit connecteur, avoir un câble tout clean qui arrive dans l'écran et on peut gérer l'allumage, l'extinction. Pas le niveau d'éclairage de l'écran, mais on peut gérer l'allumage et l'extinction. Et du coup, ça permet d'utiliser l'écran avec moins de GPIO. Et alors, un gros point fort de l'I2C, c'est que chaque dispositif sur un bus I2C possède une adresse. Qu'est-ce que ça implique? Déjà, tout d'abord, quand vous branchez quelque chose en I2C, vous n'êtes pas obligé d'utiliser d'autres GPIO si vous voulez brancher autre chose en I2C. Parce qu'effectivement, c'est un bus. Ça veut dire que je peux avoir 10 périphériques branchés sur les deux mêmes GPIO. Donc dans le cas d'un Arduino, ce sont les GPIO A4 et A5 qui sont chargés de faire l'I2C. Donc là, vous ne verrez pas le câblage parce que c'est un petit peu le bordel en dessous. Mais toujours est-il que vous voyez sur ma carte, donc ça c'est une petite carte de mesure. J'ai mis 4 connecteurs pour l'I2C. Je peux brancher n'importe quel périphérique I2C n'importe où.
et ça fonctionnera. Et du coup, ça veut dire que je peux avoir, si je veux, par exemple dans ce cas-là, 4 écrans, ou autant que je veux, tant que j'ai des connecteurs. Et donc, pour que ça fonctionne, pour savoir à quel écran je parle ou à quelle périphérique je parle quand je communique en I2C, eh bien, on aura chaque périphérique aura une adresse. Du coup, là, l'adresse est codée sur je ne sais pas combien de bits, mais ici, sur cette petite carte qu'on trouve facilement sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la vidéo, en bas de la vidéo, on voit qu'on a trois pads, A0, A1, A2, qui permettent de changer l'adresse. Donc, A0, A1, A2, c'est sans doute les trois derniers bits de l'adresse. Ça veut dire que ici on a 0, 0, 0. Si je connecte les deux, je ne sais pas comment vous le montrer mieux, si je connecte, voilà, ces deux-là, c'est tout petit, hein. Donc, si je mets de la soudure pour connecter ces deux-là, A0 avec le haut et le bas, A0 va passer de 0 à 1. Du coup, sur mon autre LCD, donc je vais vous montrer un autre où j'ai déjà soudé, il est soudé à l'écran. Mais je n'ai pas changé l'adresse parce que j'utilise généralement un seul écran. Ici, j'aurai l'adresse, je crois, par défaut, c'est 0x20 ou quelque chose comme ça. Si je soude ici, j'aurai 0x21. Ça fait que je peux avoir les deux. Et si je veux écrire sur le grand écran, eh bien, c'est tout simple. J'écris sur le LCD d'adresse 0x21. Ça se fait très facilement dans la bibliothèque. On déclare une variable. Avec la bibliothèque, pardon, on déclare une variable LCD1. Et au moment de la création de. Au moment de l'instanciation de la variable, on va dire l'adresse c'est 0x21. Et là, par exemple, 0x22, etc. Donc, du coup, ça veut dire qu'avec cette petite carte, vu que j'ai 3 bits, ça me fait 2 puissance 3. Donc, ça me fait 8 adresses possibles. Et du coup, ça veut dire que je peux utiliser 8 écrans de ce type. Ou, je peux utiliser 8, facilement 8 périphériques I2C, en tout cas. Et certains périphériques I2C ont une autre plage d'adresse, parce que l'adresse n'est pas que sur 3 bits. Donc, ça veut dire que ce sera peut-être même pas en collision avec des adresses d'autres périphériques si on ne peut pas changer. Généralement, jusqu'ici, tout ce que j'ai utilisé en I2C, il y avait une plage d'adresse pour chaque type de périphérique. Donc, les écrans, si je branche un capteur, je ne sais pas ce que j'ai... Bon, bref, un capteur I2C, il n'aura pas la même adresse par défaut que l'écran. Et tous ces écrans-là ont la même adresse par défaut. Mais du coup, la plage d'adresse, là, c'est du 0x21. Pour d'autres, c'est 0F ou je sais plus, enfin, je... Bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Non, 0X, ça veut rien dire. C'est 0F, c'est du binaire. Bref, de l'exa. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je constate qu'en les branchant, en branchant différentes classes de périphériques, on n'a pas les mêmes adresses par défaut. Donc, ils ont sans doute pensé à ça en faisant leurs produits. Je ne parle pas de l'I2C en lui-même, mais les gens qui font les cartes ont sans doute pensé à prendre des adresses qui n'étaient pas déjà occupées par d'autres produits connus. Donc du coup, ça veut dire qu'avec ces petites cartes-là, ben, ça simplifie beaucoup le câblage, ça vous libère des GPIO, et les GPIO utilisés restent quand même libres pour autre chose. Donc c'est parfait pour faire une station de mesure. Donc comme vous voyez, celle-ci, ici, en fait, c'est tout simple. J'ai mis des connecteurs pour chaque GPIO du Arduino. Donc si je ne m'abuse, ouais, ici c'est tous les GPIO numériques, donc D2 à D13, peut-être que le D13 n'est pas, parce que le D13 est de l'autre côté, donc de D2 à D12 pour... ouais c'est ça, bah, ça en fait 10, D2 à D12, ils sont tous là. De l'autre côté j'ai 4 broches analogiques, non 5, ouais 5, donc A0, A1, A2, A3, A6 et A7, A5 et A4 ne sont pas sur ma carte parce qu'ils sont occupés par l'I2C. Et du coup, l'I2C, eh ben, j'ai mis 4 broches I2C ici et ça me permet d'utiliser plusieurs périphériques. Et sur une autre carte, par exemple celle-ci, ça c'est mon contrôleur d'aquarium que je suis en train de finaliser. Vous voyez les 4 I2C plus ça. Eh ben, qui en fait aussi, c'est un module RTC qui donne une horloge temps réel. Et du coup, ça, ben, c'est aussi de l'I2C. Donc, pas de problème. Et vous voyez, je le branche avec l'écran. D'ailleurs, sur ça,
si vous voyez l'heure, c'est bien parce qu'il y a un module I2, un module RTC qui donne l'heure. Donc, c'est bien la preuve que voilà, les différentes catégories ne rentrent pas en collision. Du coup, bref, si vous avez besoin d'afficher du texte sur un petit projet, je vous conseille fortement l'utilisation de ces petits modules I2C qui fonctionnent pour différents formats d'écran. Seule chose à vérifier, c'est si vous voulez utiliser ces éléments directement, il faut que vous ayez un écran qui ait les connecteurs en une seule ligne. Parce que fatalement, ben, c'est comme ça que la carte est. Donc à moins de dessouder le connecteur, il faudra avoir une seule ligne. Je vais illustrer un peu mieux. Ici, c'est un écran 2 x 40 caractères. Et on peut voir qu'au lieu d'avoir une rangée, on a deux rangées. Et en plus, la numérotation, on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais on a de gauche à droite, en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut, on ne peut pas directement utiliser cette carte dessus. Donc il faudra faire des petites manips, des ajustements. On verra peut-être ça dans une prochaine vidéo. Du coup, à bientôt. Et n'hésitez pas donc du coup à utiliser ces composants. Alors les prix, les écrans comme ça sur AliExpress chez les Chinois, ça vaut 2 euros environ, un écran 2 x 16 caractères. Ce qui est chouette, c'est qu'on les trouve en pleine couleur de rétroéclairage. Par contre, 2x16, c'est un peu petit, je trouve. Mais bon, pour afficher une adresse IP ou des choses, ça suffit. Sinon, ceux que j'utilise le plus souvent, c'est les 4x20. Parce que du coup, c'est pas tellement plus cher. Environ 3 euros, peut-être. Pour plus du double de la surface d'affichage. Par contre, on les trouve soit en jaune. Enfin, cette espèce de jaune-là, couleur LCD de base. Soit en bleu, avec un texte blanc par-dessus. Du coup, bon, c'est pas terriblement varié. J'aurais bien aimé trouver d'autres couleurs. Et mieux, des écrans avec un rétroéclairage RGB. Mais bon, c'est plus dur à trouver. D'ailleurs, au passage, cette petite carte ne gère qu'une seule couleur. Donc, si vous les avez du RGB, ça se branchera aussi. Par contre, les deux autres couleurs seront ignorées. Donc, il y aura des petits bricolages à faire si on veut gérer toutes les couleurs. Ou sinon, on n'utilise que la couleur qui est connectée. Bref, donc les écrans, ça c'est comme je disais 3-4 euros. On les trouve aussi avec le truc déjà soudé dessus. Donc là peut-être 5 à 8 euros, toujours chez les Chinois. Frais de port inclus, hein, comme d'habitude. Et du coup, ça nous fait ouais, ça pas cher. Ceux-là sont un peu plus rares, peut-être je dirais 10 euros. Mais bon, c'est un format assez spécifique. Ils sont vraiment longs quand même en comparaison des autres. Hein. On peut voir. Enfin, fatalement, c'est la même taille de caractère. Donc, du coup, logiquement, je pourrais mettre 2, 4 x 20 à peu près. Mais bon, sans compter les bordures. Mais vous voyez qu'ils sont beaucoup plus grands. Et ceux-là valent à peu près, au moins cher, je dirais 5 euros. Au plus cher, 10-15 euros. Il y a des 4 fois 40 que je n'ai pas pris parce que là c'est 20 euros et je me dis bon à ce prix là autant en prendre un écran graphique et il y a d'autres variantes, il y a des 2 fois 20 mais bon autant prendre un 4 fois 20 à moins d'avoir des contraintes de place, des 4 fois 16, tout ça ça fonctionne avec cette petite carte pourvu que vous ayez le bon format. Et la petite carte, donc oui je disais ça, on en trouve aussi avec le truc déjà I2C pour aux alentours de 5 euros l'écran, souvent c'est plus intéressant si vous les prenez par deux parce que au lieu de coûter 6 ou 7 euros, il coûte 10 euros pour deux, enfin 6 ou 7 euros l'unité avec ça dessous des dessus, vous en avez deux pour 10 euros donc c'est souvent plus rentable. Ou alors les packs de deux ont pas de frais de port et ça, j'ai vu des prix entre 60 et 60 centimes et 2 euros. Donc c'est pas cher non plus. Effectivement c'est moins cher si on l'achète et qu'on le soude soi-même. Moi je l'ai, en fait c'est sur, j'ai pris les cartes, c'est surtout pour avoir la possibilité de les mettre sur les écrans qui me plaisent. Donc je choisis, je teste les écrans, si la couleur me plaît, j'utilise celui-là ou pas, enfin bref.
Et du coup, ça, ben, on les trouve à partir de dans les 60 centimes, quelque chose comme ça. Sauf que vous aurez des frais de port, généralement. Enfin, en tout cas, pour la Guadeloupe, il y avait des frais de port. Du coup, moi, j'ai pris des packs de 5, donc ça fait 2 euros et quelques. C'est pas grand-chose. Et là, les frais de port sont offerts. Du coup, voilà. Dans une prochaine vidéo, on verra peut-être comment plugger ce truc sur cet écran. Et voilà. À plus!